Salut, moi c'est Mathilde. Et moi c'est Arnaud. Nous sommes tous les deux en deuxième année de BP Chimie ici à Castres. Et aujourd'hui, on va te présenter notre département de chimie. On va exceptionnellement enlever les masques pour faire la visite. Allez, c'est parti! Ici, on se retrouve devant une salle de chimie organique. On va y réaliser des synthèses vues en cours. Mais avant de rentrer, il faut s'équiper d'une blouse et des lunettes. C'est ce que je vais faire. Donc le département est doté d'une grande gamme de verreries, comme par exemple des ampoules à décanter ou encore des réfrigérants qui nous permettent de faire plusieurs réactions. Nous avons aussi des évaporateurs rotatifs qui nous permettent d'évacuer des solvants dans un mélange. Nous voici maintenant devant une salle de travaux pratiques de chimie analytique. Il faut savoir que le DUT Chimie ici à Castres est doté d'une très haute technologie. Vous pourrez retrouver des CPG, des HPLC, des RMN, mais vous verrez tout ça en cours. Il faut savoir que pour le moment, il y a les licences professionnelles analytiques qui sont en train de faire un TP. Ils vont déterminer quels pesticides il y a dans les oranges. Allez, suis-nous, on va voir ça. Les étudiants ont donc extrait l'orange dans ceci. Ils ont fait une synthèse. Ensuite, ils ont récolté ce liquide où il y a les pesticides. Ensuite, ils mettent ce liquide dans une viale qu'ils vont mettre dans le passeur d'échantillons de la CPG qui est derrière moi pour ensuite analyser ces pesticides. On va alors obtenir ces pics qui nous permettront de déterminer la quantité et quels pesticides seront sortis. Alors en chimie, il y a aussi la formulation, qui est la science des mélanges sans réaction. Comme on peut le voir, nos licences formulation ont fait ici un TP gel douche. Ils ont alors réalisé plusieurs gels douches avec des textures, des saveurs, des odeurs différentes. Les débouchés de cette formation sont dans la peinture, dans le cosmétique comme les gels douches ou encore dans le pharmaceutique. J'espère que cette visite t'a plu. On se retrouve l'année prochaine ici à l'EUT de Chimie de Castres.